Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi bien sûr. Aujourd'hui sera une vidéo Fimo. En même temps, normalement pour ce soir, j'espère, s'il n'y a pas de problème sur mon ordinateur, vous aurez la vidéo de la page 6 du grand album que j'ai terminé hier je crois, et donc le montage de la vidéo est en cours. Et vous aurez normalement, je dis d'ici ce soir, au plus tard demain matin, si ça cafouille, la vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la Fimo. J'ai reçu donc le numéro 4. Enfin, j'ai acheté le numéro 4 parce que j'ai toujours rien reçu. Mais je l'avais acheté déjà la semaine dernière, hein, bien sûr. Là, au niveau de la Fimo, cette fois-ci, on a eu. Alors, on a eu en cadeau le fascicule, bien sûr. On a eu, je vais vous montrer, mais bon, vous avez déjà vu hein, dans d'autres vidéos, certainement, parce qu'on est beaucoup à faire la vidéo sur les fascicules. Permets-toi la lumière. Sur les fascicules de des créations faciles Fimo. Voilà. Donc, on a eu un pain bleu brillant. Le numéro 33, donc Fimo bien sûr. On a eu également, donc ça, tout ça va se servir aujourd'hui pour le bijou que l'on doit faire. Mais allez, assieds-toi. Voilà. Allez, hop, on arrache, ça va plus vite. On a eu des aiguilles de perçage. Voilà. Je vous les montre. Donc on en a eu 4. Donc, je pense qu'il y a, oui, il y a différentes grosseurs. Non, arrête. Il y a différentes grosseurs. Voilà. Donc, il y en a deux de chaque. C'est pas facile avec Fifi aujourd'hui. Hein? Allez, mets-toi là. Tu viendras te montrer après. Donc, voilà. Donc, il y en a deux de chaque. Deux fines et deux un peu plus grosses. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va utiliser celles-là. Celles qui sont un petit peu plus grosses. Donc c'est bien parce qu'on a un petit tube pour y mettre nos aiguilles. Bon, ils l'ont pas fait très très long le tube, parce que vous voyez, ça touche le bouchon, mais bon, c'est pas important. Hein. Ici, on a eu un tube de paillettes, voilà, des paillettes argentées qu'on va mélanger aujourd'hui avec la pâte. Et alors là, je les ai déjà rangés. On a eu les intercalaires. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, j'ai rangé toutes mes fiches. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais rajouter des petits onglets. Parce que ça manque. Et ce sera plus pratique pour retrouver tout de suite les fiches. Donc, on a pour la boîte à outils, les techniques. Bon, enfin, toutes les. Ça, je vais pas m'éterniser là-dessus, puisque ce qui vous intéresse le plus, c'est le bijou en lui-même. Donc justement, aujourd'hui, on va faire celui-là. C'est un bracelet donc à perles, donc bleu avec des paillettes argentées. Voilà. Donc j'ai préparé mon matériel, ma petite boîte pour la Fimo. Voilà. Mon plateau de cuisson avec ma feuille de sulfurisée. Du papier d'alu parce que là on va en avoir besoin aujourd'hui. Ma boîte à outils avec les restes de pâte et le reste du ruban parce qu'aujourd'hui on va en avoir besoin. Donc voilà. Donc aujourd'hui donc on fait alors que je retrouve. Voilà, il est à. On va donc faire ce bracelet. Voilà, voyez, donc c'est très il est très facile hein, comme d'habitude. Le plus dur c'est de faire des boules rondes, voilà, mais on va y arriver. Allez, je range tout, on se retrouve tout de suite.
Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc mon matériel est prêt, mon rouleau, mon carrelage, mon emporte-pièce, un emporte-pièce de 2 cm. J'utilise la moitié du pain de Fimo. Donc voilà, j'ai commencé à la malaxer. Et on y va. Alors, ce qu'il faut d'abord, c'est faire une bande régulière de 2 mm. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour l'instant, c'est rien si c'est pas trop bien fait. Maintenant, on va surtout allumer parce que il s'est mis à pleuvoir et ben maintenant il fait noir, voilà. Et il est midi, hein. Donc voilà. On va saupoudrer de paillettes. Alors, on va essayer de pas en mettre partout, hein. Alors, est-ce que ça se visse pas? Alors, on va saupoudrer de paillettes. Donc vous en mettez suivant si vous voulez vraiment beaucoup de paillettes ou pas. Hein. Alors, on va la replier sur elle-même. Donc là, vous pouvez un peu étaler avec vos doigts hein, pour qu'il y en ait bien partout. Voilà. Hop. On la replie sur soi-même. Hop, on ramasse les paillettes qui sont tombées. Comme ça, on ne perd rien. On va hop, étaler un petit peu et on va remettre un peu de paillettes. Et je refais pareil, j'étale. Et on replie encore une fois. Voilà. Avec le reste, on peut ramasser les paillettes, c'est pas perdu. Et maintenant, on va remélanger. Pour que ce soit uniforme et qu'il y ait bien de la paillette partout sur la pâte. Bon, si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous en remettez. Ça, c'est pas un problème. Bon, Fifi, veux-tu? Non, 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 pas devant la caméra. Mets-toi là. Merci. Oh. Voilà, regarde à la fenêtre, c'est bien. Maintenant, on va faire une bande. Je trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes. Comme je trouve qu'il n'y en a pas assez pour à mon goût, je vais en remettre un petit peu. Voilà. Moi, j'aime bien que ça brille. Tant qu'à faire, si c'est pour mettre des paillettes, il vaut mieux qu'on les voit. Et je refais comme tout à l'heure. Voilà. Normalement, là, ça devrait le faire. Comme ils disent, hein, vous mettez j'avais plein les mains. Vous mettez le nombre de paillettes que vous souhaitez. Principal, c'est de le faire à votre goût. Alors, il va falloir faire une quinzaine de perles, suivant votre poignet. Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors on va attaquer. S'il n'y a pas assez, avec les chutes de pâte, de toute façon, on pourra refaire des perles. Voilà, donc là j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, il ne me reste que 5 à faire. Donc, on récupère la pâte. Voilà.
Là. Je vais mettre sur le côté. Donc là, si elles se démolissent un petit peu, ça fait rien, puisque de toute façon, après, vous allez les rouler. Pendant la cuisson tout à l'heure, je vais voir s'il ne me reste pas du fil élastique pour faire les bijoux. Parce que ce serait peut-être mieux que de mettre sur un cordeau, enfin sur un ruban. On verra. Pourquoi ça me fait une soufflette bizarre. Voilà, donc on va en faire 5 puisqu'il en manque 5. Je vais peut-être refaire une perle ou deux en dépannage, on ne sait jamais. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est rouler les billes, enfin les perles. Voilà, mais elles me semblent bien petites par rapport à eux. Pourquoi elles me semblent petites? Elle me semble vraiment petite. Donc j'ai fait ce qu'ils disaient, mais bon. C'est rien. J'aurai pas le même bracelet, mais j'aurai un bon résultat quand même. Voilà. Celle-là, on va la mettre de côté parce qu'elle est vraiment petite. Voilà, allez, je vais rouler toutes mes billes et on se retrouve tout de suite. Voilà, toutes mes boules sont des boules, des perles. Voilà, j'ai des mains de schtroumpf, toutes bleues. Donc, elles sont pas très très régulières, parce que je vous dis, je pense que si on suit ce qu'ils disent, deux traits, ça suffit pas. Je pense qu'il aurait fallu utiliser tout le pain pour faire les perles de la grosseur qu'ils ont dit. Deux comme ça suffit pas. Donc quand on regarde la photo, on voit qu'il y a deux fois un morceau comme ça, donc je ne sais pas pourquoi ils ont marqué de mettre que deux lignes. Voilà, mais bon, c'est rien. Je sais que ce que moi je vais en faire, ça finira en bracelet quand même. Voilà, alors là maintenant, quand vous êtes à cette partie-là, que vous avez fait toutes vos perles, il faut les mettre un peu au frigo. Voilà, on va dire 10 minutes hein, au frigo pour qu'elles durcissent un peu, afin qu'on puisse passer les aiguilles à percer facilement. Donc moi là, je ne vais pas y toucher, je vais les laisser sur mon carrelage, je les amène dans le frigo et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, mes perles sont refroidies. Donc je vais me servir du papier d'alu, désolé, je vais faire le bruit. Voilà, donc on fait deux petits supports en papier d'alu. Là. On va mettre sur sa plaque de cuisson. Là, on va mettre la tige. Non, attendez, je vais mettre ma tige après. Et on va mettre nos perles, donc que l'on doit percer en essayant de ne pas les déformer.
en tournant comme ça, hein. Voilà, donc si ce sont un peu déformés, vous les remettez un peu en place. Voilà. Et on fait comme ça pour toutes les perles. Donc comme ils disent dans le fascicule, si vous percez de travers, c'est pas compliqué, hein, vous refaites votre perle, hein, vous la roulez sous les mains. Alors, pendant que j'enfile mes perles, c'est qu'à le dire, à la fin de la vidéo, ne partez pas tout de suite, parce que j'ai un message assez important à passer. Voilà, bon, j'ai des petits problèmes en ce moment et donc je vais vous passer un message donc à la fin. Enfin, je suis même un peu gênée de passer ce message, mais bon, voilà. On verra. Alors, après les perles du bracelet, pendant que ça cuira, on va faire des donuts. Déforme déjà un peu. On a remis le chauffage à la maison, il fait tellement froid, donc il fait un peu chaud. Je vais refaire un support pour l'autre côté. Voilà, comme ça les perles ne touchent pas la plaque. Allez, je finis de percer mes perles et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, mes perles sont sur les tiges de perçage. 30 minutes au four à 110 degrés, comme d'habitude. A tout de suite. Donc voilà, pendant que nos perles cuisent dans le four, on va faire des donuts. Pour faire des boucles d'oreilles. Voilà. Donc, moi je vais faire la pâte en doré, comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo. J'adore cette couleur pour faire tout ce qui est base de gâteau. Tout. Donc, je remonte un petit peu, voilà. Donc je vais travailler ma pâte comme d'habitude. Donc là je vais en faire deux, hein, bien sûr. Donc j'ai pris deux lignes de Fimo. Bon, je pense que j'en ai un petit peu trop, mais bon, c'est rien. On verra bien. Parce que pour de faire des boucles d'oreilles, il ne faut pas les faire trop grands. On est bon. Donc là, on va couper la pâte en deux, hein, puisqu'on va faire deux donuts. Donc on va couper sur la moitié pour avoir deux donuts identiques. Voilà. Non, pour des boucles d'oreilles, ça va être trop grand. Donc, c'est rien. Pour une bague, ça aurait été. Mais je sais pas si j'ai encore des supports de bague. Il faudrait que je regarde, tiens, pour faire une bague. Donc, c'est celle-là qu'on va couper en deux. On y arrive, hein, faut pas s'affoler. De toute façon, avec la Fimo, on peut faire et défaire. Tant qu'on n'a pas fait les mélanges de couture. Ou de couleurs. Voilà. Ouais, ce sera beaucoup mieux. Parce que si vous avez deux gros beignets comme ça aux oreilles, ça va pas le faire. Voilà. Allez, la deuxième. Et voilà. Et donc, on recommence. On appuie pour donner la forme du beignet. Donc, il faut pas que ce soit trop fin. Hein. Voilà. Et qui dit donuts, dit qu'il y a un trou au milieu. Alors, je vais prendre ça, je vais l'essuyer, voilà, le bout d'un pinceau, et je fais mon trou au milieu, voilà, pour qu'il aille, qu'il ressort de l'autre côté. Voilà, donc ça vous donne ça. Hein. Et on fait pareil sur le deuxième. Donc mettez-vous bien au milieu, hein, surtout.
redonnent la forme s'ils ont perdu un peu de leur forme. Voilà. Donc maintenant, on va mettre ce qui fait le glaçage, on va dire. Voilà. Alors là, je vais faire en rose. Je vais porter du rose d'entamé. Donc il ne va pas m'en falloir beaucoup, hein. Et là, donc, je vais prendre un emporte-pièce en forme de fleur. Et donc, on va en faire deux, hein, puisqu'il y a deux donuts. Voilà. On enlève la pâte qui tombe trop. Ça vous servira pour autre chose hein, plus tard. Et là, hop, on va venir poser sur les donuts. Voilà. Donc là maintenant, je vais mettre de la fimo liquide. Alors, on peut faire des petits vermicelles, mais je vais me faire avec des petits bâtons que je vous ai montré l'autre jour. Voyez, ceux-là. Alors, on va regarder ce qu'on peut mettre avec du rose. Des petites fleurs, pourquoi pas. Non, ça se mange pas, des petites fleurs. Là j'ai quoi, ça c'est des cerises, j'avais des fraises, je sais que j'avais des fraises, voilà, j'ai des petites fraises mais bon, sont vraiment petites. Allez, on va mettre des fraises comme ça, je vais vous montrer comment on les coupe. Alors, je prends mon scalpel et on va faire des fines fines tranches. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Je pense pas. Voilà ce que ça donne. Alors, à chaque fois qu'on a coupé dans un sens, on retourne la canne. Oups, celui-là est raté. On retourne la canne pour que la canne ne se déforme pas. Bon, on va voir si on en a assez déjà. On coupera après s'il y en a pas assez. Donc là, je vais utiliser de la fimo liquide pour faire tenir mes fraises. Alors voilà. Donc, je vais en mettre un petit peu sur mon carrelage. Voilà. Et je mets des petits points de fimo liquide là où je vais mettre des fraises. Voilà, maintenant je mets mes petites fraises. Et voilà. Là, les petites fraises qui me restent, je les mettrai de côté. Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir sans que ce soit pas trop flou. Alors, attends, voilà.
pense que là, ça doit aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre nos crochets. Alors, mes crochets, j'en ai peut-être encore dans la boîte qu'ils nous ont donné. Et donc, on va mettre les crochets. Alors, je vais prendre ma pince pour plus de facilité. Celle-là, ça va aller. Et on essaye de ne pas déformer son donut, bien sûr. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rien à 9. Donc on y va tout doucement hein, pour pas déformer. Bon, vous pouvez mettre aussi au frigo avant, comme on avait fait pour les perles. Voilà. Donc là, on va attendre que la plaque de four soit libre. Donc, on ramasse le reste de la fumée liquide si on n'en a plus besoin. Voilà. On essuie sa plaque. Et voilà. Donc là, je pense que j'ai un support de bague. Donc on va faire la bague. Donc la bague va être un peu plus grosse. Je reviens tout de suite. Je ne suis pas loin. Je crois que mes supports sont là. Je crois. Alors, oui, j'en ai un. Voilà. Alors, je vais vous montrer justement, je viens de retrouver une ancienne que j'avais fait. Voilà. Donc là, je vais la faire un peu moins grosse, hein, parce que celle-là était vraiment grosse, je trouve. Et donc, voilà le support. Alors, on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais devoir enlever un peu de pâte. Donc là, si vous n'avez pas jusqu'au bout, c'est rien, puisque avec la bague, de toute façon, on ne verrait pas. Donc, on va mettre un peu de rose, comme ça, ça va faire un ensemble. Alors là, par contre, je vais prendre un emporte-pièce un peu plus grand. J'ai déjà beaucoup travaillé la pâte, alors du coup elle se casse. Voilà. Hop là. On concentre bien. Et on met bien sur les côtés. Faire comme si le sucre dégoulinait de... Et on cherche son trou, voilà. Voilà. Donc, maintenant, bah, on va recouper des fraises. Allez, on retourne aux fraises. Donc voilà. Alors, vous allez me dire comment on fait tenir là-dessus. Alors d'abord, j'avais un autre papier d'alu quelque part ici. Voilà.
Ça vous fait un petit support pour la bague, voyez, pour qu'elle reste droite à la cuisson. Et là, on va, si je retrouve ma lame, voilà. Décoller mon donuts. Voilà. Je vais lui mettre de la fimo liquide sur les fesses. Voilà. Ce qui va permettre de coller. De coller la bague. Alors, pour l'instant, je la laisse comme ça. Voilà. Pas bouger. Pourquoi j'ai une fraise qui est tombée? Est-ce que c'est une fraise qui est tombée ou une que j'ai en trop? Bon, on va la remettre dessus. Je sais pas. Voilà. Allez, viens par ici, toi. Allez, je veux pas tenir à celle-là. Bon, je suis maudite. Ce que je peux faire aussi, voilà, avec un long porte-pièce, ils peuvent aller au four. Et voilà, ça tient. Youpi. Et voilà, la bague est terminée. Les donuts pour les oreilles est terminé aussi. Donc, je vais récupérer mes perles qui viennent de finir au four. Et on se retrouve tout de suite pour le montage du bracelet. Et après, pour le montage des boucles d'oreilles, la bague non, puisqu'elle elle est faite. Voilà. Alors, à tout de suite. Voilà, mes perles sont cuites. Alors, j'ai fait une préparation avant de filmer, parce que comme j'ai une vue de top, j'aurais perdu du temps. Voilà, moi j'ai des aiguilles à perles, comme ceci. Donc, elles sont extrêmement fines. Et donc ça permet de mieux enfiler les perles, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis du fil argenté, pareil, qui est très fin, voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, que j'ai attaché au ruban noir, et comme ça je peux enfiler les perles, voyez, hop, très facilement. Bon, là j'ai pas coupé un ruban puisque je savais pas quelle taille il va me falloir. Voilà, jusqu'au bout. Au bout j'ai fait un nœud, et maintenant je refais un nœud. Alors par contre, du coup, est-ce que ça va aller, puisque eux disent de faire un nœud entre chaque perle. Voilà. Voyez, et on va enfiler toutes les perles comme ça. Hop. Et ça va tout seul. Donc je ne sais plus où moi j'avais eu ces aiguilles, hein. Je ne saurais plus vous dire. Je les ai eues dans une mercerie. Mais bon, vous pouvez trouver, hein, sur internet. Je vous mettrai la référence si vous voulez, en barre d'infos. Enfin, c'est pas si vous voulez, je vais vous la mettre. Parce que quand vous voudrez la réponse, bah, la vidéo sera déjà en ligne. Hein. Alors. En plus, j'ai la tremblote aujourd'hui. Comme je suis pas au meilleur de ma forme en ce moment. Puis en fin de compte, j'aurais pas dû aller ramasser le courrier. Ah, quand c'est la période, c'est la période. Hein. Bon. Enfin. Alors, attendez, je vais pousser tout ça parce que... Voilà, on verra mieux. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Là, vous voyez, ça va tout seul. Hop.
Voilà, vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc je vais finir d'enfiler et on se retrouve tout de suite. Alors je me revois là. Bah, j'ai pas réussi. Il faut que je refais le bracelet parce que j'ai pas réussi à, oups, à enfiler ces foutues perles sur le ruban. Et puis bon, vous voyez, en plus elles sont pas régulières. Bon, comme je vous ai dit, je suis pas au top du tout en ce moment, donc ça doit être aussi la raison. Donc voilà, bon là j'ai sorti la bague, voyez, hop, donc avec les petites fraises. Donc maintenant il reste à vernir et il me reste, donc ça c'est les donuts pour faire les boucles d'oreilles. Donc il me reste à faire le montage des donuts en boucle d'oreille. Donc ça vous les verrez en photo à la fin. Voilà. Bah du coup, voilà, comme je vous disais au début, j'avais besoin de donner un peu une explication. Et puis là, pourquoi? Bah là, je fais je fais de la merde là aujourd'hui. Voilà. Parce que bon, je suis pas du tout bien dans ma tête. Et puis voilà, j'ai d'énormes, énormes, énormes problèmes. En plus, là, bah, maintenant, le facteur vient de passer, il m'en a rajouté une couche avec un courrier. Souvent, quand ça commence, bah, ça a du mal à finir, les ennuis. Et ce qui s'est passé, bon, moi, comme vous savez, je suis en arrêt maladie depuis bah, maintenant un an. Bah, ça fait un an ce mois-ci, le 13 septembre. Et donc je touche des indemnités journalières de la Sécu tous les 14 jours. Jusqu'à maintenant, bah, c'était à peu près régulier. Et là, les gens de la Sécu ont fait une erreur sur mon dossier. Donc ce qui fait que là, j'aurais dû toucher ce week-end. Et maintenant, bah, il faut qu'ils voient l'erreur qu'ils ont fait, bien sûr. Je me demande s'ils n'ont pas envoyé à quelqu'un d'autre, mais bon, ils veulent pas me dire exactement l'erreur qu'ils ont fait, mais ils m'ont dit que de temps qu'ils puissent arranger l'erreur qu'ils ont fait et me refaire mon versement, l'indemnité normale, il va me falloir 15 jours. Voilà, donc c'est super. Moi, le deuxième souci, alors quand je dis, quand il y a un truc qui s'en mêle, ben hein, ça continue. Et désolé, hein, j'ai la voix un peu ouf. Et donc, le deuxième souci que j'ai eu, bon, vous savez, j'avais été au vétérinaire pour Fifille. Là, je viens d'aller au vétérinaire pour Tango. Donc, au passage, je vous dis, il commence à aller mieux. Puisqu'on avait dû aller en urgence. Mais j'avais demandé à la vétérinaire, puisque bon, les factures tombent aussi, hein, entre deux. J'avais demandé à la secrétaire du vétérinaire de ne pas me déposer de chèque ce mois-ci, puisqu'ils avaient accepté que je paye en plusieurs fois. Donc elle m'avait dit oui, et ben, elle m'a déposé deux chèques. Voilà. Donc je me retrouve à découvert à la banque, parce que, et du coup j'ai des factures qui ne sont pas passées. C'est des factures pour la maison, donc c'est quand même important. Donc je me retrouve à découvert. Moi, j'ai une banquière qui est pas du tout humaine. Voilà, on va dire le mot. Parce que bon, j'ai eu une société, ça remonte maintenant à 6 ans. Enfin, mais ma société, je l'avais ouverte il y a 9 ans. Bon, comme malheureusement beaucoup de petites sociétés, j'étais en liquidation judiciaire. Dans mon malheur, j'ai eu le bonheur de tomber sur un très bon juge qui m'a effacé à l'époque toutes mes dettes, dont la dette de la banque, bien sûr. Et maintenant, la banque l'a un peu en travers de la gorge et me prend pour un client à risque. Donc là, je sais qu'elle. Bon, là, le lundi, la banque est fermée. Le week-end, la banque est fermée. Demain, elle va être là. Elle va voir qu'il y a un problème sur mon compte. Donc elle va se faire un malin plaisir de faire ce qu'il faut pour me foutre un peu plus dans la merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Donc là, je peux
pas faire de courses pour la vie quotidienne pendant 15 jours. Mon mari il travaille, mais lui, bon, il travaille à mi-temps, à 20 ans, il fait à 20 heures et c'est la mairie, donc c'est payé à peine 600 euros par mois. Et lui, avec ça, il paye les factures. Et moi, avec ce que je touche, moi, je remplis le frigo, voilà, je paye mes factures à moi. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, va moins à Action. Ça, je sais. Mais si j'y allais, c'est parce que je savais que j'avais la possibilité d'y aller. Voilà, à ce moment-là, quand j'y allais, j'avais l'argent. Je n'allais pas faire des chèques sans provision chez Action. Loin de là. Donc maintenant, je cherche à me coincer d'une façon ou d'une autre. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris le culot. Là, il n'y a pas d'autre mot. J'ai pris le culot de. Enfin, c'est une amie qui m'en a parlé, c'est vrai. J'avais pas pensé tout de suite. Mais je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc j'ai pris le culot donc d'ouvrir une cagnotte sur Letty. Et pour voir si des personnes peuvent m'aider. En faisant des dons sur l'Eti. Bien sûr, je ne demande pas qu'on m'envoie 100 euros, hein, ni 50 euros, ni voilà. Chacun fait ce qu'il veut, chacun le fait s'il veut. Je n'oblige personne, bien entendu. Je sais que tout le monde, maintenant, on est tous dans une situation plus ou moins difficile. Hein. Donc voilà, donc même si c'est 1 euro, voilà, ce sera 1 euro, mais je serai reconnaissante pour tout le monde. Une autre fois, ce sera peut-être une autre personne qui sera dans, je vais dire le gros mot, dans la merde. Et ce jour-là, si j'ai les moyens, je serai là pour l'aider aussi. Ça peut être vous, ça peut être n'importe qui soit. On n'est pas à l'abri maintenant, la preuve. Là, en étant en maladie, j'ai toujours fait attention. Il a fallu qu'il y ait un truc dans l'engrenage. Et puis voilà, ça fout tout en l'air d'un coup, du jour au lendemain. Bon, je vais me remettre. Mais bon, le problème, c'est que là, je ne veux absolument pas que ma banque se fasse un plaisir de refuser mes chèques et de mettre une interdiction bancaire. Parce que ça je l'ai eu déjà quand j'ai fermé mon entreprise. Malgré que je n'avais plus de dette, on m'a quand même mis interdit bancaire, hein, c'est la loi. Ça dure quand même très longtemps. Et là, en interdit bancaire, on est vraiment très 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 mal. J'y suis passée, donc je sais que ce que c'est. Et j'ai vraiment pas envie de recommencer. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je prends le culot. Je vous mets le lien en barre d'infos sous la vidéo, sous ma vidéo toute pourrie aujourd'hui. Vous voyez, j'essaye de rire quand même parce que bon, dimanche j'ai pleuré. Ça, je peux vous dire que dimanche, samedi et dimanche, j'ai pleuré parce que c'est comme si on m'avait mis un coup de massue dans la tête. Pourtant, j'essaye d'être forte, mais j'en ai pleuré toute la journée. Voilà, bon là rien qu'à vous en parler, j'ai encore les boules dans la gorge. Mais donc voilà. Donc, bon, je vous demande pas de vous sauver de ma chaîne non plus. C'est pas parce que je parle de ça que je vous mets un lien, que je vous demande si vous pouvez m'aider. Ne partez pas de ma chaîne non plus. Je vous dis, tout le monde peut être dans la merde un jour ou l'autre. Personne n'est à l'abri maintenant. Avec tout ce qui court, on n'est plus à l'abri d'être dans la merde. Bon, là, j'y suis. C'est pas un énorme problème, mais moi qui suis en arrêt maladie, voilà, pour moi, ce truc est doublé, triplé dans ma tête. Voilà. Donc voilà, bon, désolé, j'arrive plus à parler. J'espère que ma vidéo pourrie vous aura plu quand même. Je vous ferai une vidéo avec ce fameux bracelet parce que là, bon, il est complètement raté. Excusez-moi. Je vais.
et la refaire dans la semaine là, quand je vais un peu mieux. Ouais, parce que là, de toute façon, de voir ça, bon, ça voit l'état d'esprit auquel je suis. Mais là, je suis pas contente de moi. Donc voilà. Heureusement, j'ai ma fifille qui me fait des câlins, qui me rassure, qui me redonne le moral. Hein, puis mes petits poilus. Et mon mari, bien sûr, heureusement. Donc voilà. Bon, allez. En tout cas, tous ceux qui accepteront de m'aider, je vous fais un énorme, énorme merci. Ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont dans la même situation que moi, hein, qui sont aussi dans les problèmes, qui n'ont pas de travail, qui sont en maladie, qui, voilà, qui comptent tous leurs sous pour finir la fin du mois, je comprends très, très bien que vous ne pourrez pas. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, bon, je vous dis, je ne veux pas non plus avoir des critiques dans les commentaires. Là, je suis déjà assez dans les chaussettes, comme ça, que donc pour lire des critiques. Ça sert à rien, ça ne fait avancer personne, les critiques. Surtout des critiques comme ça. Voilà. Alors, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie tous énormément déjà d'être sur ma chaîne, de regarder mes vidéos, de me laisser vos commentaires. Et de toute façon, je serai toujours là pour vous faire des vidéos. Bon, là maintenant, pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai, hein, parce qu'il n'est pas question que j'aille acheter du matériel. Ça c'est sûr et certain. Là, je vais faire avec mon stock. Bon, il est encore assez grand, hein, mon stock. Vous l'avez déjà vu. Donc voilà, pour l'instant je vais continuer mes tutos, je vais continuer à vous montrer ce que je fais, ce que je reçois. Voilà, là j'ai sur Facebook, j'ai plusieurs amis qui vont m'envoyer des petites choses, donc ça va être des cartes ou des petits colis. Je les en remercie également énormément. Voilà, parce que même ça, bon, de toute façon, ça me fait plaisir. Hein. Mais donc voilà, bon allez, j'arrête pour aujourd'hui et je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous aime tous et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures, mais des meilleures, ne vous inquiétez pas, je vous embrasse, à bientôt.